me dire. Moi, espérer, je te correct. C'est je te correct? Nous correct. Aujourd'hui, on voit la vie en rose, Estelle et moi. Ah, mais moi, j'ai mis un petit haut rose. On sait pas qu'on s'est On sait pas qu'on s'est du tout là. Alors. Qui te mettait toi? Hein? Qui te mettait toi? Estelle, petit top rose. Moi, t-shirt rose. Aussi, Estelle, chaussures tes chaussures sont roses. Moi, mon chaussette rose. Et aussi. Ah là là. En dans la moyenne, mon chaud de bain, ça est si rose. Et les reskis roses, mon papa a montré les autres. Voilà, aujourd'hui, est-il et tout. Mon père m'a dit dans Kongoma. Mon père m'a dit dans les Mariannes. Mais Kongoma, je ne connais pas du tout, je ne suis jamais partie là-bas. Mais paraître à cas, m'a fait un autre découvert. Non seulement m'a fait un autre découvert, en plus, moi, on a un treat pour eux aujourd'hui. Quand Christophe commence à dire ça comme ça, là, ça me fait un peu peur. Maniche est devant dans sa voiture, on le suit. Et Ne sois pas peur. Ne sois pas peur. Non, mais t'es bébé ensemble avec nous, là. M'a bébé ensemble avec eux, mais seulement m'a fait donner un petit treat, Maniche, avec toi. Elle a un petit base qui appelle les Mariannes Wellness Center. Ouais. Puis amène eux là-bas. Et il y a beaucoup de monde qui comme ça, ouais, c'est tout le temps Zut qui fait bonnes affaires. Chalem avec Maniche, pas fait non, nié. Assez. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu offres quelque chose à Maniche? Ça, c'est quoi le truc? Donc, du coup, j'offre un petit tweet à Maniche. Je t'offre un petit tweet aussi. Ok. En attendant, moi, mon poitain dans le tout. Et Il a promené pas là, c'est pas ouais, on a programme. Allez, mais nous elle t'a l'air. Bienvenue dans El Chileto. Cheese. Alors, comment ça va? On est ravis d'être là. C'est notre première fois ici au Mariannes Wellness Sanctuary. Allez, on s'assoit, on discute un petit peu. Super. Allez. Allez, dites-nous, justement, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, qu'est-ce que vous faites exactement ici? Ok, c'est un sanctuaire pour la santé. Donc, on s'occupe un peu de tous les problèmes de santé qu'une personne peut avoir dans sa vie, mais lié particulièrement au stress, à la fatigue, au burn-out, etc. D'accord. Donc, nous avons deux départements. Un département qui fait les réhabilitation mentale, c'est-à-dire stress, burn-out, dépression, bipolaire, addiction, toutes les addictions, l'alcool, la drogue, les synthétiques, etc. On fait les traitements ici. Et puis, nous avons 25 chambres. D'accord. Super. Et puis, on fait le physical rehabilitation, c'est-à-dire douleur, courbature et toute la rééducation physique, sportive et tout le reste. Alors, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai vu le nom Wellness Sanctuary un peu partout, mais j'étais persuadée que vous étiez un spa 5 étoiles, en fait. Voilà. Je ne savais pas du tout que vous faisiez tout ça. Oui, nous avons notre spa 5 étoiles, mais le plus important, c'est nos activités médicales qui tournent autour de la personne qui a besoin de soins médicaux, mais dans un cadre qui est fantastique comme ici. Déjà, ici, l'étang est super roulé, tu fais du mousseux et là, une super la vue, nous en hauteur. Vous allez voir, Maniche va filmer tout ça un petit peu tout à l'heure. C'est juste magnifique. Limite, on se sent déjà reposé en arrivant ici. Voilà. Et l'endroit est quand même immense. Vous avez combien de médecins qui travaillent ici? Bon, j'ai trois médecins qui sont avec moi. D'accord. Et nous travaillons sur beaucoup de cas assez complexes. Oui. Qui a besoin d'une approche, on appelle ça de la médecine intégrative, c'est-à-dire on prend la médecine occidentale, moderne, et on allie ça avec la médecine orientale. Super. D'accord? Donc c'est l'ayurveda, l'acupuncture, tout le reste. Et puis nous avons le spa où nous offrons des soins de médecine physique, massage, hydrothérapie, etc., physiothérapie, ostéopathie. Ouais.
Ben, franchement, magnifique, super travail. On a hâte de découvrir l'endroit. Mani, je sais que moi, nous, un petit peu stressés, oui. En général. C'est lundi matin, aujourd'hui, on a envie de relaxer un petit coup. Donc, on va vous faire confiance. On va faire confiance à votre équipe. Je sais qu'il y a un smoothie qui nous attend juste devant. Et puis, on va faire une séance d'acupuncture. Et puis, Mani, tout à l'heure, pourra faire un massage de cupping. Mani, prêt ou pas prêt? Prêt. Allez, prêt. Acupuncture, moi, j'ai jamais fait vous êtes, donc je me demande comment ça va être, mais ce sera avec vous, n'est-ce pas? Allez, je vous fais confiance, docteur. Super. On vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, merci beaucoup. Merci bien. Merci, allez. À tout à l'heure. Allez, allez. Alors ici, j'ai les Marianne Wellness Sanctuary, comme le docteur l'a mentionné un petit peu plus tôt. Il y a 25 chambres, donc 25 patients qui peuvent rester sur place, mais en journée, il y a beaucoup de va-et-vient. Vous pouvez venir en journée, rencontrer les différents docteurs, faire plusieurs soins. Et ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de salles de soins. Ici, on va dire que c'est un petit peu la gym, donc pour keep up un petit peu physiquement, body works. Et tout au long de ce couloir, il y a des salles de soins. Le Ayurvedic Zone avec le Shirodhara justement qu'on peut faire. Ici, c'est une salle spécialisée pour les gens qui sont en fauteuil roulant, autrement capables et qui n'arrivent pas justement à prendre les escaliers. On a une salle de thérapie juste devant qui est là. Alors, plusieurs salles de thérapie d'ailleurs. Et comme on vous l'a dit, on est dans un cadre mais magique ici. On n'entend que l'eau de la petite fontaine et les oiseaux. Et là, le téléphone, obviously. Ici, c'est une salle où ils font le yoga, des rencontres, des discussions. Il y a beaucoup de petits endroits sympas aussi où vous pouvez juste relaxer, vous asseoir. Allons voir un petit peu le hydrocare qui se trouve de ce côté. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Ça va très très bien, on peut y aller? Allez, super, bien Maniche. Alors là, on est arrivé dans le hydrozone qui est assez spécial, vous allez voir. Donc c'est vraiment spécialisé pour les traitements avec l'eau. Donc ici, on a des massages avec de l'eau tiède qui se passe de ce côté. Et ici, soin à l'eau chaude, l'eau glacée pendant quelques minutes pour revigorer un petit peu le corps et améliorer la circulation. On a le sauna ici aussi, regardez-en. Ouh. Le sauna. Ici, ah là là, ça va mieux. Et ici, cerise sur le gâteau, vous êtes. Regardez-moi ça. Là, c'est magnifique. Plus reposant que ça, je crois qu'on ne peut pas faire. Là, on est dans la nature, avec une jolie piscine bien installée. Et c'est top, franchement, génial. Là, si on se sent stressé, les amis, c'est l'endroit idéal justement pour tout oublier en fait, hein, et juste relaxer, juste se laisser aller. On peut aller de la vue un petit peu plus tôt. Check ça, vous êtes. Je pense que Christophe, qui est souvent stressé, aurait finalement dû venir ici. Ça lui aurait fait le plus grand bien. Et vraiment, ben, j'ai hâte de passer un peu plus de temps ici et de découvrir vraiment l'endroit à travers un soin. On m'a parlé d'un super smoothie qui allait arriver là. Alors, il y a quoi dedans, hein? Ah, c'est à base de fruits et légumes. Les fruits sont pommes,
poire et orange. Oh, super. De concombre et menthe. Et puis, une petite touche de citronnelle aussi. Mais il y a tout ce qu'il faut dedans, là. Je refaire. Je pense que tes collègues aussi vont arriver, Stéphane. Bien sûr. Allô, on va quitter ça pour Maniche de ce côté. Est-ce que Christophe va venir? Je ne suis pas sûre, mais je vais boire son jus de toute façon, donc ça va. Merci beaucoup. Merci. Mélange de fruits et légumes. Et c'est hyper fresh, en fait. Hein. Super bon. On ne sait pas trop comment on boit ça avec ça, là. Donc, on fait ça. Vous êtes moi, jus frais le matin. C'est mon truc, ça. Hein. C'est pour moi, ça. Donc là, j'adore. Yes, Christophe. Alors, l'heure du soin a sonné pour moi. Vous êtes acupuncture que j'ai jamais fait avant. Vous connaissez acupuncture qui était là, hein? Piquant tes aiguilles un peu partout. Je sais que ce sera dans cette zone-là, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas où. On nous a juste dit de rentrer dans le body scanning lab qui est juste devant. Donc, allez, docteur, vous venez à nous dans quelques minutes. Alors, on a tendance à penser que les Marianne Wellness Sanctuary, que c'est un spa, justement, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est pas un spa, c'est une clinique, vous êtes, où vous avez plusieurs soins. Et là, on sent vraiment voilà, qu'on est dans une salle pour une consultation médicale, quoi. Du coup, je vais m'asseoir là, tranquillement, comme une bonne fille, et attendre que le médecin vienne pour l'acupuncture. Mani, j'ai peur. Pourquoi Christophe nous laisse faire ça? Oui, rebonjour. Bonjour. Ready pour l'acupuncture? On n'est jamais ready en fait. Je ne sais pas moi-même si je suis prête ou pas, mais je vous fais confiance. Vous allez, paraissez bien zen. Qu'est-ce que vous voulez que j'adresse? Parce que moi, j'ai les aiguilles magiques pour faire quelque chose dans le système. Okay. Avec seulement 3 ou 4 ou 5 aiguilles très, très petites, okay, qui rebalancent tout le système. L'acupuncture, c'est un peu un réglage qu'on fait sur le corps humain. Ça dynamise quelque chose dans le système. Fonctionnement, l'organe, etc. Donc c'est fort. Mais ce que je peux faire pour vous, comme je fais pour beaucoup de gens, c'est rebalancer un peu le système nerveux, cool down un peu le système, okay, et c'est que ça fera rebalancer le cerveau gauche et droit, donc de sentir bien voilà. On va faire ça. Allez, super. Je dois tirer mes boucles d'oreilles. Ça va être dans cette zone-là, non? Je me demande comment ça va être, là. Tu peux filmer les aiguilles de près? Qu'est-ce que le système nous dit, hein? Parce que je tâte le pouls en même temps et je vérifie. Donc, j'ai un petit douleur de dos, lower back, qui est là. Oui, j'ai une scoliose, en fait. Voilà, vous avez voilà. Déjà su voilà, ça, là? Oui, oui, mais on ne peut pas me cacher des choses. Voilà. Dieu. Voilà ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez faim, etc., mais une petite acidité qui est là. Dans le système. Mais juste avec l'oreille, vous savez oui, ça là? Oui, l'oreille représente le tout. Vous m'appuyez déjà là? Ouais, ah, pas okay. Encore. Oui. L'oreille représente le tout. L'être humain, l'oreille, c'est le software ça. Parce que quand vous regardez l'oreille, c'est comme le fœtus dans le ventre de maman. La tête en bas ici, le cou, les jambes, etc. C'est ça. Inspirez bien. Voilà. C'est ça. Première aiguille infrontale, il n'y a pas de souci. Deuxième aiguille qui arrive là. Pas de problème. Oula. Troisième ici. Et puis, voilà. Quatrième, c'est là. OK. Là, j'avais quatre aiguilles. Là. Wow. Avec quatre aiguilles, là, on rebalance tout dans le système. Oh et je vois que vous êtes un petit peu tempérament nerveux. Donc... En général, je suis assez calme, mais peut-être oui, que... Oui, peut-être maintenant, là, vous êtes... peut-être lundi matin, calme. Vous êtes un peu hyperactive, là. Oui, je suis hyperactive. Donc, ça, c'est le third eye qu'on rebalance, c'est tout. 20 minutes, relax, comme ça. Ça, c'est fantastique. Ça fait un peu de magie, tout à l'heure, vous allez me dire les sensations que vous avez. Donc là, je reste comme ça pendant 20 minutes. Comme ça même, 20 minutes, fermez les yeux, relax. Alors, juste pour que vous compreniez bien, la première aiguille, je ne l'ai pas sentie du tout. La deuxième, un petit peu. La troisième, non. La quatrième, oui, je l'ai bien sentie. Et celle sur le front, je la sens là, actuellement. Ouais, mais c'est une toute petite douleur, hein. C'est rien de dramatique. Et vous avez vu, je n'ai pas crié ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment pour m'aider à relaxer. Le docteur, en quelques secondes, il a su que j'avais un problème de dos, j'avais un problème d'estomac, que je suis hyperactive, qui est un peu le cas.
assez impressed pour le moment. Et là, je dois rester 20 minutes comme ça. Donc, je vais juste fermer les yeux et arrêter de causer maintenant. Je crois que ça fait 5, voire peut-être 7 minutes, peut-être que le médecin est parti. C'est pour moi expliquer ce qui peut passer dans l'école. Hein. Effectivement, je me sens un petit peu plus reposée et toutes les zones où il a piqué, c'est-à-dire l'oreille et le front, sont un peu engourdies. Donc c'est, je sens juste un engourdissement à ces zones-là. Et la quatrième aiguille que j'ai le plus sentie, celle-là, je sens encore un peu. Mais sinon, tout le reste, ça va encore. Et ouais, je me dis peut-être après je serai Marie Zen, peace and love. Vous pourrez de causer comme un Zen, c'est une hyperactive justement. Allez, m'en causer. Ouais, tu as juste envie de rester là. Et tu te concentres un peu sur l'espèce de mini douleur que tu as ou la sensation que tu as où il a piqué. Mal bon. Un bon pas bon. Je sais pas comment expliquer. Mais j'essaie d'imaginer les gens qui font l'acupuncture sur tout le col, hein, c'est-à-dire le dos, les jambes, etc., le ventre. Ouais, ça doit être assez spécial quand même. Mais si ça vous aide à relaxer, why not vous êtes. The next day. Voilà. Correct, comment ça se passe? Ça fait 20 minutes là. Alors là... Docteur, je vous assure qu'au début, j'étais bien tranquille, bien correcte. Et puis après, j'ai commencé à me laisser aller, en fait. Et je sentais l'énergie qui était en train de faire ça. Vraiment, vous avez pas fait basiner. Mon type est senti une espèce d'affaire, puis saute là-haut, puis aller jusqu'à mon van hôtel, puis remonter. Et je sais pas pourquoi, je sentais mes mains qui bougeaient. Et Maniche a dit que, justement, mes mains ont bougé un petit peu. Mais je sentais ça. J'avais l'impression que mes mains étaient en train de faire ça. Super. Ça, comment on peut expliquer tout ça? Dans l'acupuncture, il y a des méridiens sur le corps qui sont un peu les autoroutes, ouais, hein, de l'énergie du corps. Quand j'ai mis les aiguilles, j'ai reprogrammé l'énergie même, comme ça, ça bouge dans les méridiens, là où il faut, là où il y a des blocages, ça commence à pousser un peu plus, etc. De façon, il y a une circulation normale, naturelle et équilibrée dans le corps. C'est ce que j'ai fait, la balancer. C'est fou ça, hein? C'est fou parce que j'avais l'impression de rêver. Je me suis dit non, ça doit être la clim, ça doit être quelque chose, c'est pas possible. Je sentais des petits picotements arriver à un moment. Et la petite douleur que j'ai ressentie où il y avait certaines aiguilles, oui. Ben, je sentais plus du ça, tout. C'est parti. Je sentais plus du tout, je me sentais hyper relaxée, c'était un peu engourdi limite et c'était top. Ouais, voilà. Là, si on me laisse, je dors là. Mais oui, là, ce que j'ai fait, j'ai rébalancé le cerveau gauche, droit, les centres de stress rebalancés. En même temps, ce que j'ai fait, je vous ai donné un peu la récupération qu'on a dans une nuit de sommeil. Waouh, rien qu'avec ça, rien qu'avec ça, là. Rien qu'avec ça. Donc, je fais le traitement pour les gens hyper stressés, qui ne dorment pas, les gens qui voyagent beaucoup, qui ont le jet lag. Ce traitement, c'est très puissant. Donc là, vous allez vous sentir comme si vous avez fait moitié de nuit de sommeil, reposé. On sent un petit peu quand ça sort. Oui, hein. Un petit peu, mais les aiguilles sont très fines. Voilà. Vraiment léger. Hein, il n'y a pas de sang, léger. Pas de rien. C'est tellement fine comme aiguille. C'est tellement fine. Est-ce que je peux voir les aiguilles de près? Voilà, regardez. Mais c'est tellement fin. Tellement fin, mais oui. On peut faire de l'acupuncture cosmétique avec ça pour relever le visage. Ça aussi, c'est intéressant. Dans quelques années. Oh, waouh. Beaucoup d'années, pas maintenant. Ah ouais. Waouh, vous sentez là. Ouais. C'est un autre réveil, un autre prise oui, de conscience. Un autre prise de conscience. Ouais, d'une nuit de sommeil, c'est vraiment voilà, ça. Voilà, je me réveille maintenant, là, le matin. Ouais. Wow. Ah ouais. Hein? En même temps, si vous avez par exemple des douleurs au genou, une inflammation, je peux travailler uniquement sur l'oreille pour baisser ça. C'est pas vrai. Ouais, avec l'oreille. L'oreille. Mais déjà, je vous ai dit, j'étais choquée quand vous m'avez dit, oui, il y a un low back pain quelque part, etc. Et c'est bien rare qu'on arrive à savoir que j'ai une scoliose et que c'est j'ai des douleurs de sur dos. L'oreille, parce que l'énergie, le champ d'énergie sur l'oreille est changé, que j'arrive à détecter avec cette petite astuce. Et ça, docteur, n'importe qui peut venir faire ce soin. Oui, n'importe qui peut venir.
On appelle ici, on prend un petit rendez-vous avec vous et on peut venir pour 20 minutes. J'ai une liste d'attente de à peu près 2 mois. Oh là là, Seigneur. Donc okay. Vous avez de la chance. Mais franchement, very lucky. Et ça, l'émission est tout là. Faites-nous faire des avec Isa, mais nous, si vous faites peut-être, une découverte, ben soin qu'Isa, mais nous, pas tu connais. Acupuncture, ben, ça m'a toujours interpellée, ça m'a toujours fait un petit peu peur, pour être honnête. Et là, j'étais en full confiance avec vous. Et le docteur est tellement zen, tellement gentil. Vous parlez avec une voix très douce. Obligé en confiance, même avec voilà, vous. Voilà, super, super. Merci, super. Docteur, merci avec beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Ah, wow. Je vous appellerai après pour vous dire comment je me sens après la journée. Merci. Allez, à plus tard, merci. Je suis un peu sonnée. Pas que de me saucette, s'il vous plaît, parce que me saucette, c'est une grosse saucette qui me pliait comme ça et qui est là pour me souiller la dent. Ne me jugez pas. Alors, moi, je finis mes soins, bien content. Je suis bien content d'être un petit aiguille random, mes fronts, mes oreilles, etc. À savoir que Manish n'aime pas trop les aiguilles, n'est-ce pas, Manish? on s'était parlé un petit peu avant, il avait dit qu'il avait peut-être fait ça, j'ai retrouvé son connaissance. Mais là, c'est autour de Manish qui va faire son cupping. Comment ça s'appelle? Cupping. Cupping. Oh, cupping session. Et ça, j'ai jamais vu en vrai. J'ai vu à la télé, j'ai vu beaucoup d'athlètes de haut niveau utilisent cette technique pour enlever toutes les douleurs. Jamais vous prenez ça en vrai. Là, on va voir si Manish va souffrir ou se sentir hyper relax aussi après. Alors, Manish s'est pris pour son cupping session, c'est ça? Cupping session. Cupping session. Cupping session. Et on est avec monsieur? Kaviraj. Donc, Kaviraj, je vous la mets bon là. Donc, à faire confiance là. Bien sûr. Allez, ben super. Manish, tu stresses ou pas? Oh,
couleur. Ok. Il y a beaucoup de toxines. Ok. On va vraiment entendre. Bonsoir. Mais franchement, impressionnant vous êtes. Que des découvertes aujourd'hui ici. Ben, Tom, merci beaucoup. Merci. On continue la visite. Bye bye. Merci. Il y a plusieurs types de chambres, Estelle, comme dans les hôtels. On a la chambre normale, supérieure, deluxe, VIP. Alors, on commence par un petit tour du clinique. Je vais vous montrer une chambre normale. Yes, Estelle, ça c'est la chambre numéro 3. C'est un normal room. Normal room, qu'est-ce qu'on a dedans? Bien sûr, c'est basics. On a notre salle de bain qui a touché le bain. Tu as tout ton service de Wi-Fi. Il y a le service de doorbell. Si tu ne peux pas te déplacer, si tu ne veux pas sortir de la chambre, tu téléphones à la réception. Et aircon, clim 24/7, de l'eau chaude 24/7. Il y a des chambres qui vont avoir des TV, mais celui-là c'est normal. Le prix c'est normal. Je vais te faire voir le VIP room qui est vraiment intéressant. Ah, mais VIP, j'ai hâte de voir ça là. Hein. Voilà, tu vois. Franchement, c'est top parce que tu as beau dire que c'est basic, mais c'est franchement, basic. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Oui, voilà. Ça devient hyper grand et ça fait vraiment penser à un hôtel. Exactement. Quand je te dis basic, mais ça couvre tout, Esther. Ça couvre tout. On a même un petit safe normalement pour qu'ils puissent garder leur truc privé. Voilà. C'est totalement comme un petit hôtel. Super. Le seul truc qui nous manque, c'est la plage, mais on a deux atouts pour compenser de la plage. Ah, il y a un super jardin, ce qui paraît. Exactement. Du on va faire un petit tour. Voilà, ça c'était la chambre numéro 3, normal room. Alors, je te fais un petit coup d'œil, un VIP room, pour que tu puisses comparer. Super. C'est totalement différent. Totalement différent. Ah oui, yes. Là on est dans une chambre VIP, vous êtes. Hein? Voilà. Oh là là. La salle de bain, c'est presque pareil comme le normal, mais. La différence, ici, tu as un rooftop, tu te sens bien, tu écoutes la pluie qui tombe, ici, ah ouais. Tu as vu, bien sûr. Ah, mais c'est magnifique. Tu sais pas en velours. Ah oui, regarde, en plus, il y a une terrasse et bien tout. Bien sûr, on a une terrasse, il y a la cultivation des ananas et de ginger, ou un gingembre. Ah, gingembre, super. Ananas ici. Mais ça fait une jolie vue quand même. Ça fait une jolie vue, hein. C'est relaxant. C'est relaxant. Ici, quand la pluie tombe, bien que le soleil, tu te réveilles ici, c'est magnifique. Hyper magnifique. Tu as le montagne ici, tu as toute cette vue. Et c'est oui, super. C'est hein. J'aime bien. J'aime bien venir ici. Ah, mais là, c'est. Oui, là, on voit. C'est un autre level. Exactement, c'est un autre level. Exactement. Merci, Esther. Allez-y. Merci. Waouh. Ah, c'est une belle chambre. C'est une chambre d'hôtel. Mais vraiment, c'est une grande chambre d'hôtel. Si je peux poser la question, si vous connaissez échec, non. Mais ici, là où on se trouve, c'est le social area, où justement, il y a des jeux d'échecs, il y a une petite table de billard, il y a un jeu de carom ici. C'est l'endroit où on invite les patients à venir mingle, causer, socialize, passer du temps avec les autres patients qui sont là. Et juste derrière,
il y a la salle la plus importante des Marian Wellness Center, donc qui est juste ici, et c'est le Nursing Station. Ah, c'est fermé. Je vous explique pourquoi c'est fermé. Parce que c'est Authorized Personnel Only. C'est l'endroit où on garde tous les médicaments. Donc, c'est vraiment 2-3 personnes qui ont accès à cet endroit. Et on va les laisser un petit peu tranquilles. Franchement, je suis agréablement surprise par cet endroit parce qu'il y a de tout. Si vous avez un problème, une addiction, vous avez une dépression, vous vous sentez pas bien, etc., c'est vraiment l'endroit idéal pour venir relaxer, se ressourcer. Si vous avez besoin d'une assistance médicale, physique, psychologique, sociale, etc., ils offrent de tout ici. Et que demander de plus? Et je sais, attention, 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 il y a une jolie Jordan Pertanou là, venez. Joli petit soleil, regardez la vue qu'il y a ici, là, hein, la montagne qui est juste à côté. Oh, waouh! On voit d'ailleurs le super jardinier qui s'occupe du jardin en général. Bonjour, monsieur Vijay! Monsieur Vijay, il travaille, Marie propre, hein, waouh! Bien joli! Merci, monsieur Vijay! Aïe, joli! Ici, c'est bien fait par rapport au labyrinthe. C'est pas un labyrinthe comme si c'est juste design randomly. Il y a un meaning dans ce labyrinthe-là. Okay. Il y a des fois où on fait des étapes. Comme si jusqu'ici, tu as déjà, fight l'addiction. Ici, tu vas réintégrer la société. Ah, il y a des ici, steps en fait, à chaque étape. Exactement, il y a des steps. Je sais que tu vas parler aussi de 3 axes. Exactement. Qui expliquent un petit peu, ben, c'est quoi les Marianes. Voilà, exactement. Tu as détox, très important. Tu as physical rehabilitation, quand tu as un accident ou peu importe, quelque chose comme ça. Troisième, c'est wellness. Tu viens pour faire ton spa, reiki, acupuncture, régénérer, etc. Lifestyle management. On t'aide de refaire ton lifestyle. Killing bad habits and reinstating good habits. C'est ça le re-engineering. On est des ingénieurs à the end of the day. Ah, c'est oui. Beau ça, re-engineering. Re-engineering your life, exactement. Ah, oh, wow. T'aider, parce qu'il y a des gars qui sont dans l'addiction depuis 5, 6, 10 ans. Comment ils comprennent pas la vie normale? C'est ça, c'est exactement. Ça. Tu perds la notion de réalité. Voilà, en fait. Exactement. Voilà, voilà. C'est sûr. Mais en tout cas, le jardin est magnifique. Et c'est vrai que tu imagines ben, venir t'asseoir et être en mode repos, ne penser à rien d'autre et te centrer sur toi-même. Mais tu vas voir, il n'y a pas de sécurité ici. Tu vas voir, il n'y a pas de sécurité. J'allais te poser la question en te disant, mais pourquoi il n'y a pas de sécurité? Non, il n'y a pas de sécurité. On believe dedans qu'il ne faut pas avoir de sécurité. Oh, wow. We need to give them freedom. C'est des gens normaux. Ils ont passé par une étape difficile. On est là pour les aider. C'est super. C'est tout. Tu ne vas pas avoir de sécurité, mais still, je dois me protéger. Je suis connecté directement avec la station de montagne. Bien sûr. Merci beaucoup, Réaz, d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés, d'avoir fait la belle visite de ce centre qui est extraordinaire. Un plaisir, Estelle, de t'avoir reçu. Et je n'ai pas arrêté d'y être durant toute la visite, mais vous faites un super travail, Non, et vraiment, chapeau. Thanks. Chapeau, et l'équipe paraît tellement gentille, tellement attentionnée, vous êtes au top, vraiment génial. Merci Estelle, génial. Je suis touchée par les mots que tu viens de dire. Et Réaz justement nous a dit que voilà, ils sont sur Facebook, sur Instagram, sur le site web qui est www.lesmarianes.com. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur la page, regarder un petit peu ce qu'ils proposent comme soins, prendre contact. Si toutefois vous connaissez quelqu'un qui a des soucis, si vous-même vous ressentez le besoin de vous ressourcer, On a notre numéro de hotline, si je t'interroge. Ah Estelle, oui, mais vas-y, interroge. 89 11. 89 11, 24, c'est le hotline. C'est le hotline. Tu peux nous avoir anytime. Super. Donc, si des gens se sentent vraiment pas bien, ils peuvent vous appeler 89 dessus. 11, anytime. Yes. Super. Merci beaucoup, Réaz. Merci pour ta patience et merci pour ton sourire. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Estelle. Bah, merci Thanks. Beaucoup. Allez, merci. Merci bonne Réaz. Journée, bonne continuation. Merci à toi aussi. Bye. Vous l'avez vu, franchement, les Marianes, ben. C'est the place to be si toutefois vous ressentez un problème physique, un problème psychologique, si vous ressentez que vous avez besoin de vous ressourcer quelque part, si vous ressentez que vous avez besoin d'une assistance médicale, quelle que soit l'assistance en général, ben voilà, vous avez les Marianes Wellness Sanctuary. C'est un sanctuaire, c'est un centre de réhabilitation. Il y a le côté détox, il y a le côté réhabilitation physique. Il y a tellement de choses à dire sur cet endroit. Ils s'occupent de tout et ils s'occupent de vous à 100% de A à Z avec leurs 25 chambres et leurs médecins qui sont là à votre disposition. Allez checker leur site web, checker leurs réseaux sociaux. Et nous, entre-temps, nous connaît qui ? Christophe Piata, nous dans le restaurant. Et qu'on a un peu faim, Manu Chaffin ? Oui. Allez, venez, allons-y.
ça va? On peut attendre depuis 45 minutes. Alors, vous trouvez ça, comment dire, paraît bien... Bien relax. Bien relax, bien nif, bien ressourcé. Bien ressourcé. Moi, j'ai fait acupuncture, j'ai le front ouais. Et les oreilles, enfin, et l'oreille droite. Ouais. C'est démarré impressionnant et je me sens un peu... Et tu me saouler. Ouais, saouler. Comment est-ce correct? Eh, pas besoin de dire moi, mais c'est correct. T'es mis dans le canal, ça peut être là? Je suis capable, mais quand vous me demandez directement l'argent de mon compte. Ah, ok, et tu l'enveloppes. Et montrez-moi cette appréciation. Correct? Ok. Alors, nous arrivons dans le restaurant Zanana. Et je comprends qui fait base là, appelle Zanana. Mais. Mon... Zamé, moi pas une ville là, mais déjà on arrive en voiture là. What ça? Et bien justement, il aménage un petit setup pour nous sur le balcon, comme ça on a cette vue là directement derrière. Allez, venez. Avec le sourire, ouh, s'il te plaît. Spring roll. Top. Merci, madame. C'est du piment, c'est du spring roll. Spring roll. Vegetable ou poulet. Aïe, là, l'ordre. Yes. Oui, c'est pas bête. Merci, madame. Merci beaucoup. Ouh. Alors là, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. Qu'à faire? Pour tous ceux qui, depuis le début d'un tiletto, tu faisais, yes, c'est une petite fille, hein, comme ça, genre, wow, yeah. C'est fini maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es prêt? Quoi? Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au cœur. Alors, regarde ça. Hein. Regarde quand c'est allé. Est-ce que ça fait sexy de faire ça? C'est pas une fausse dent, c'est un aligneur parce que j'ai porté un appareil dentaire pendant des années. Ça me fait dégoûter. Avant de manger, il tombe la barbe. Comment tu gardes ça avant qu'il mange? C'est une des vendues. Non, mais je voulais te montrer. Je voulais pas voir. Voilà le moment sexy de la journée, c'est ça. Donc tout bas sexy plutôt moins joli ou sexy avant, c'est fini maintenant. C'est un aligneur pour redresser un peu les dents. Oui, ramasse ça quelque part. Mais où tu vas mettre ça là? Mais là je suis obligée de mettre dans ma poche parce que j'ai oublié la boîte. Mais après quand tu as fini de manger, tu remets dedans. Tu dois remettre, je dois porter ce truc là H24, vous êtes, juste quand je mange. C'est vrai? Ouais. Mais tu me poses moi la question si mon poutier a ça aligne là, des fois tu dis oui. Et après, puis j'ai décidé que oui. T'as décidé que tout le monde a envie de voir ça. J'ai décidé que tout le monde doit connaître la vraie Estelle. Nous pas fake ici, justement. Nous montrer la vérité. Nous montrer la vérité. Chaud. Ouais, c'est chaud. Rentrer net. Bien bon. Et puis non. C'est pas vraiment comme ça à faire. Depuis l'épisode de la semaine dernière. En ce moment, on mange piment. Mais c'est vrai. J'ai grandi, mais une zone à celle-là. À celle-là, piment. Il vient souffler la semaine dernière. Ouais, j'ai soufflé. Ah. Elle est beaucoup finée, ouais, beaucoup content. Oui, oui, elle lui demande genre, je viens. Oui. Ah, merci Zanana, merci Zanana. Merci beaucoup. Oh là là. J'ai oublié que celui qui est tombé. Alors, ici, chez Zanana Restaurant, dans les Mariannes, non seulement c'était dans sa énorme vue qui est magnifique. Ouais, vraiment, ça impressionne. Enfin, ça m'impressionne grave. Hein. Pas derrière, mais aussi c'est un restaurant et aussi une salle de fête. Si tu as envie de faire réception, l'anniversaire, mariage, fiançailles. Oh, so good. Te cas, laisse-moi finir causer, s'il te plaît. Okay. Fiançailles, etc. Vous êtes capable de venir checker et vous avez sa super vue là. Et vous avez tout in one restaurant et aussi salle de fête. Vous êtes capable de contacter Zanana Restaurant à travers votre page Facebook. Sinon, il y a un petit numéro en bas. Vous êtes capable de checker. Et après, si vous avez envie de restaurant, pas que venir direct, hein, parce que parfois, ben, du monde finit book base là. Fini téléphoner avant, réserver là, sur le capable venir. Ah,
Son sauf, il ne s'est même pas coupé parce qu'il a appris tout ça par cœur. Et si je coupais là, ça n'allait pas lui faire plus de commencer. Ça, c'est super bon. Bon? Mmh. C'est quoi? Moi, c'est bon. Calame un croustillon. Super bon, super bon. Et après, ça même on trouve un calame un croustillon ring. Sa grosseur là. C'est énorme. Mais moi, je suis content. Ça tire la sauce là. The bigger, the better. That's what she said. Ça, je disais, ouais. Top, et calamo, la marée top. Manish, oui. C'est toi, good, c'est Marie, bon. Il y a quelqu'un en commentaire la semaine dernière qui a dit il est capable d'exciter comme ça quand il tout le monde dit sa femme là. Mais oui, effectivement. Après, je suis very easily impressed, moi. Hein. Tu peux me montrer n'importe quel truc, je vais dire waouh, c'est génial. J'ai toujours été comme ça, ça fait partie de ma personnalité. Parce que tu as gardé ton âme d'enfant, c'est pour ça, complètement, non? Complètement, ouais. Si c'est un ballon, c'est n'importe quel truc, mais si je suis, ça me rend happy en fait d'être comme ça, je sais pas. Du coup, le médecin m'a dit ça là. Le médecin m'a dit que j'étais hyperactive. Du coup, il faut te calmer, moi, avec acupuncture. Il n'a pas dit, il a détecté qu'elle oui. est... Oui, et c'était fou, franchement, parce qu'il a juste touché mon oreille. Ouais. Il m'a dit, vous avez un problème de lower back pain. Alors, je dis, oui, j'ai no! une scolio. Il t'explique, il te dit, c'est comme un bébé, en fait. Il tient tout le corps qui est dans l'oreille. What? Il dit, même si tu veux soigner le genou, il te fait acupuncture. Il pique cette boîte dans l'oreille. Même quand c'est gros comme ça? Tu as tout et la place, ça veut dire. Ce sera plus facile. Mais ouais, il y a plein de trucs, on dirait, il a détecté ça. On dit, ouais, vous êtes hyperactive, un peu comme si nerveuse ou des trucs comme ça. Je dis, en général, je suis calme, mais peut-être je fais semblant d'être calme. Mais en vrai, je suis nerveuse. Oh, la pipe est tombée. Attention. Même si la pipe commence commence à tomber derrière nous. Ça va, ça va. Il faut éteindre un petit peu seulement. Léger, moi aussi, j'ai eu ça. Ça, j'adore. Je peux manger que ça, là. Ouais, je peux manger que ça, moi aussi. C'est vraiment très bon. Et t'as Tishana Ming, 18 ans aujourd'hui. Comment je l'ai eu là, 24? 19? Alors, pour ceux qui sont fans de Chalem et Manish plus que fans de nous, ça ne nous dérange pas du tout. Non, on adore. Ouais, pas pour Non, mais en vrai, c'est cool. Les Christophe se figuent. Bien cool. Aujourd'hui, Chalem n'est pas parmi nous parce que... Parce que happy birthday to you. Courrez cassé. Okay. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fête ses 19 ans. Et on lui souhaite tout le bonheur. Et casse sa vente là un peu. Voilà. C'est comme ça que je... C'est comme ça que tu souhaites à quelqu'un bon anniversaire de donner un conseil. Un conseil et une insulte. That's how I love people. Chalem, j'espère que tu passes un super moment. Nous, on est en train de manger le super calamar croustillant là. Sans toi, mais nous, tu peux passer un super moment. Je ne vais pas dire les détails, mais je sais très bien ce qu'il est en train de faire en ce moment. Pareil. Mais on va pas dire, on peut pas dire, c'est sa vie privée, on peut pas dire. Mais il peut bien amuser. Allons dire ça. Coupe caméra après, dis-moi. Oui. Que fait tout le remorque autour de nous? Que fait Baza Petsana, non? Déjà, quand on était chez les Mayans là-bas, ouais. Ils nous ont dit qu'il y a beaucoup de plantes d'ananas et de gingembre partout autour. Donc, c'est ça? C'est le cas. Oups. Il crasse partout. Magnifique. C'est le cas quand tu regardes au bas, pas tout de suite là au bas, mais un peu partout. Regarde là-bas, au fond là-bas. Ananas, tu as ananas là. Zananas, zananas derrière, zananas dans le droit, zananas là-haut, zananas, tout là, zananas, 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 zananas. C'est fou! Ouais. Bon, nous on est entouré aux ananas. C'est moi qui a deux ananas, franchement, c'est une scave, mais casse-cassette des coca, allez, il y a un droit vers ça? Ouais, il y a un droit avec un coup de balle aussi. C'est... au lieu de voler... Allons demander. Non, non, on va acheter, Estelle. Ah. Parce qu'à tous en fait, le gars gratis. Tu sais, il y a un concept qui s'appelle acheter des trucs pour pouvoir avoir les services. Ouais, voilà. Excusez-moi. Capable coquin. Capable de demander, non? Ça, l'assiette qui paye vini là. Vous êtes... Mais comment trois personnes vous mangent tout ça? Merci. Merci beaucoup.
En plus, ça peut être aussi la fumée là, comme on dit, puis envolée. Oh, un petit dirifrié qui paraît super bon. Mais moi, je sais que je repars avec un takeaway aujourd'hui. Quoi? Non, mais en vrai, on pourra pas manger tout ça, on est d'accord. Écoute, tu as décidé qu'on pourra pas manger tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous entendez ça là, vous êtes? Tant ça là? Ah, Stella, mon pote, comment on se là, Stella, Stella. Oh là 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 là. Yeah! Yeah! Je vais dans ce là. Jeez! Oh, look at yes! That. Et tu l'as fumé de près, ça, je crois. Ouais, tu l'as fumé de près, là. Oh là 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 là. It sizzles, it sizzles. C'est pas fin là, là. Alors, tu as du poulet. Tu as des crevettes. Tu as des crevettes, carottes, poivrons, oignons, champignons. Looks good en tout cas. Looks very good. Allez. Pour un seasoning là, ça paraît super bon. Franchement, et en plus, ça s'en marie bon là. Tu veux que je te serve ou bien tu vas servir tout le monde? Allez, ok, c'est tout le monde. Tu as donné la première option. Tu veux que je te serve? Ben voilà. Madame, les anti-maris, bon. T'as dit, pensé qu'on allait être à 4 même ou pas? Non, ce matin, j'ai dit qu'on allait être à 3. Parce que j'avais complètement zappé que Chalem ne venait pas. Et que Chalem décide de ne pas venir pour son anniversaire et de ne pas célébrer avec nous. Parce qu'il nous parvient du monde qui est content dans la vie. Paris exagéré, ça. Estelle! J'ai pas fait exprès! Je vais mettre ça sur le fait que j'ai fait l'acupuncture dans le lac. Que tu es trop moyen. Tu es trop relax. Est-ce que littéralement tout là ce slime tombe là-dedans là? Trois cobs là ce slime. Mais c'était à moitié rempli. Mais mon plat est en train de nager un peu dans la ce slime. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Que je vais manger. Je vais manger. Vous comptez la six live, hein? À quel point, je sais pas, mais il y a ou pas. Allons essayer, allons essayer. Hey, Marie gros crevé de sa gambasse, ça. Ah, je... Tu dis pas même tu qui est pipe dans les morts, tu m'as gagné honte. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, franchement. En tout cas, les morts, Marie, je dis sa base, là, hein? C'est une beauté. C'est magnifique, franchement. Regarde cette petite colline même là, au bout là. On dirait que c'est fake tellement c'est joli. C'est éclairé. Ouais. Juste ça, on dirait. Marie jolie. À savoir que. Au préalable, de tu fais l'arrangement pour. Ah, désolé, pardon. Ouh. Ouais, de tu fais l'arrangement pour 4 personnes s'équiper sa potion là, là. C'est supposé être pour. Pour Chalem. Pour Chalem. Mais c'est marié beaucoup. Ouais, mais Chalem mange beaucoup les guettes au ventre. Eh, ta vache. Mais. Allez, là, il préfère pas avec nous, profite un bon manger dans une superbe vue. Mais il profite. L'anniversaire avec Benjamin qui est content. Sorry si le pas assez bon pour toi, Chalem. Parce que tout ce qu'il nous fait pour toi. Pas assez. Non, mais que c'est ah, ça se l'est là. C'est super bon parce que tout à l'heure j'avais un petit peu froid. Ouais, j'avais un petit peu froid tout à l'heure moi aussi. Là, l'hiver commence à rentrer là. Je demande s'il est tout. Un petit linge olé olé. C'est trop. Ouais. C'est mort. Hein. C'est mort, c'est mort, je pense que c'est mort. Mais qui est pipe? Je suis déjà passée en mode grand-mère. Elle. Vrai? Pull, ouais, leggings, les chaussettes. Limite, on dirait pas encore style bonnet, mais presque. It's getting there. Ouais. It's getting there. Il fait froid, il fait super froid. Mais c'est bon pour dormir. Mais je préfère qu'il fasse froid, qu'il fait Marie soir après, puis transpirer par cadeau au mien soir. Comme un pointe de sable durant l'été. Voilà. Et même en hiver. Même là, il fait chaud, hein? Il fait tout le temps chaud, pas tout ça. Mais quel joli endroit. Papa, tout simplement.
Estelle, I've got really good news to tell you. Okay. Tonight. Ouais, on dit tu vas chanter un coup là. Tonight. Dis-moi. Ce soir. Tu peux avoir un petit jury frère. Mais tu crois qu'ils ont fait qu'ils perdent leur... Mais ça, je sais déjà. Un petit jury frère avec un super sizzling te manger tantôt. Non, mais là, je crois qu'on peut cher même là. Oui, ça qu'est-ce que t'es goûté, bien sûr. Mais oui. Nous, les prends. Nous, bien la casse. De pas les prendre, ça va, c'est ok. On est un petit peu shameless. Légèrement. En tout cas, on a super bien mangé. Très bon. Encore une fois, contactez Zanana Restaurant pour vos réceptions, cérémonies, etc. Et pour le reste, contactez Zut avant Zut Vini, au cas où. Et merci pour l'accueil. Et tu m'as dit, en général, ils sont fermés les lundis, mais ils ont ouvert exceptionnellement pour nous aujourd'hui. C'est trouvé moi cette l'équerre maman. L'équerre maman, figuier papa. La routure est vraiment bonne, donc. C'était top. Merci à l'équipe. Et nous t'y les tours. Ciao beau. Gaz. Yes. J'allais pas faire ça fort. Nous t'y les tours, continuez dans les Morianes. Pas dans les Morianes. Hein? Dans Kongouma. Mais ça, ouais. Nous m'aurait fait. Sans gaz, ça coule là. Nous t'y les tours, continuez dans Kongouma. Moi, on m'a tué des. Tu l'avais des deux, j'ai besoin des deux là, ouais, sûr. Zanana, elle est la prosette d'Alana. Prosette d'Alana. Marie-Laouza, lui fais ta passe danseuse. Dans Kongoma. Que Zanana qui l'a. Au temps Zanana, bébé. Tu n'as rien à voir, on dirait pas un chat rendu dans l'acte. Eh la dernière restée, madame. Voilà, c'est l'impression là, là qui compte, et bien ça. Chalem maniche pétoum dans gosse, mais il n'est pas connu que ça lui peut aller. Il sait ou pas, il a son location? Non, il ne sait absolument pas où il peut là. Il sait pas où il peut là. Nous mais qui fait les tounes là? Nous parlons dans la case du moon là, littéralement. Il peut m'arrêter trop serré, ça va faire ouais, pas long. Plus trop d'accord. Waouh! Nice! Tu peux me dire où ce gosse on est en train de partir? Et il baisse une location aussi. Je suis sûre. Ouais, sa femme. Mais t'as hier, yeah, ouais, faux. À cause caméra de recul. Automatique, ouais. Un camion Zanana! 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 Excité ça! Laisse-le me tourner. Père! Mani, c'est bon conducteur, mais Estelle. Tu conduis très bien, Estelle. Je trace, c'est pas mauvais. C'est faux, j'aurais pas dit très bien. Tu es ok. Tu conduis. Tu es spécial. Tu peux arriver dans l'endroit pour. Du point A au point B. Voilà, oui. C'est l'essentiel. Alors, nous pas qu'à venir dans Kongoma, slash les Moyens. Bon, vu qu'il porte tout ici, il y a Zanana. Et qu'est-ce que tu as dit ici? Pas des Zanana qui en a pas tout? Zanzam. Donc, nous besoin, tu as fait la bouche doux. Ah oui. Et là, nous faisons ça fait bien, pour on va dire, macérer dans sa. Comment tu dis ça? Jus. Ouais. Nous qu'à venir, mon asie 100 roupies. À moi, si mon les autres collègues dans la casse. Moi, non. D'accord. Un partel bis. demain, 100 roupies à Nana. Hein? 100 roupies, quoi, ça?
Tu vois, Christophe, quatre ananas, tamarin avec un déficitaire. Ah oui! Ah, ça, ça allait très ah, bien. Ah, ça, ça allait marrer bon. Tu sais qu'on met un chicken, oui. Mets-moi là-dedans. Pas mal, on y est. C'est ok, t'as un... dit maintenant t'es un zombie. Ouais. Ah, pas trop violence. Beaucoup, hein? Là, c'est assez gros. Oh, oh oui. Aussi, elle m'a dit une vidéo pour mes gênantes et tout. Elle m'a dit, C'était mon dernier 100 roupies jusqu'à la paye, verse. Pour vivre de jungle de quoi manger. D'accord, merci. Pour vivre de plaisir. David a une jolie plantation sans en tout cas. Il y en a dire, il n'a plus dans la pluie. C'est la cachette. Allez, merci vous autres. Quand nous cachette la pluie, une casquette, une c'est pas. Jacket. Une jacket, peu importe. Tu camarades pas derrière. Tu camarades quand la pluie tombait. Il a le cas et tes affaires pour oui, 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 oui. Et il a pu laver une belle. Allez, va trop. Allez, va. Va. Allez, merci. Trippy, 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 trippy. Quand tu regardes. Alors, on est arrivé dans une base qui s'appelle Obui. Manish, il a une histoire par rapport à qui fait s'appelle Obui. Raconte-nous, Manish. Mais moi, pas croire. Il peut dire comme ça qu'avant, cette histoire-là, tu peux bubble. C'est-à-dire, ça faisait l'eau monter, ça faisait boulou boulou. Oui. Comme une de l'eau qui fait bouillir, en fait. Vrai? Vrai, ça maniche. C'est ce qui m'entend, dis-moi si. Enfin, nous pas connaître si c'est vrai est-ce ou pas. Est-ce qu'ils ont connu par l'internaute, justement? Est-ce qu'ils ont connu cette histoire-là, ou pas? Alors, nous venons ici, censément nous venir avec mon petit de quoi nager. Moi aussi, j'ai mon maillot dans la voiture. Mais, venez guetter après, je vais dire moi si nous pouvons nager. J'ai de longues jambes, mais pas sa quantité motivée expect là. No way, qui me dit faut rentrer là-dedans parce qu'il y a un poisson. Mais arrête, tu as déjà fait un truc de poisson, les poissons mangent de banane. Oui, mais espère pas qu'on dit qui a été poisson. Si c'est une seule, ça, c'est un qui mange du boulot allemand de la CLA là. Piranhas. Piranhas. Sa piranhas là. Sa piranhas. Tilapia ça. Tilapia. Et non, mais c'est propre seulement, je dois avouer. C'est pas horrible, franchement c'est pas horrible. Mais on va pas rentrer. Ça ressemble à un grand jacuzzi naturel. Yes. Qui paraît un peu profond quand même au milieu. Je sais pas jusqu'où ça parle, non. Non, c'est pas tellement ça profond. Non, non. C'est... J'ai dit qu'il y avait des moches. Non, tu as au moins 6, non, allez, 8 moches ouais. Peut-être. Ce sont des poissons, ça vous êtes ou bien des tétards? Poissons, hein. Poisson. Un peu trop gros pour être des tétards, non? Ouais, on voit pas la caméra par contre. On va pas voir. Non. Là, les amis, vous n'allez pas voir à la caméra parce que c'est une GoPro, mais il y a facilement une cinquantaine de petits poissons. Ouais, je dirais même plus. Même fait, plus, hein. Ouais. On va essayer. Sinon, on peut passer là, Estelle. On est Marie-Bête. Coco là-bas. Marie tracée là, hein. Manquer de tomber. Glisser, etc. Et voilà, il y a une entrée. Joli, joli, ici, bien propre. Alors, on n'est pas vraiment gâté par rapport au temps aujourd'hui. Et il y a eu des petites PC, d'éclaircir un peu plus tôt. Quand on mangeait, par exemple, c'était bien. Il y avait un petit soleil qui nous réchauffait un peu. C'était top mille. Mais là, le temps n'est pas top du tout. Non, il commence à pleuvoir vraiment grave. Et je ne sais pas si on pourra aller dans les autres bases, côte mon vie, enfin, côte mon prévoit, pour aller. Mais on verra. Quelle heure il est? Crossfingers. That it will get better. Nous mangeons, nous confie. Ouais. How will you get it? Il est presque 14h là. On part à la Nicolière.
Dernière fois, Mouchal, ici, c'était en excursion comme outil dans 5e, c'est-à-dire 30 ans de cela. Et il y a beaucoup d'endroits qu'on a visités dans les tours qui nous pas visités après l'école. Ouais, parce que why would you go there? Mais, on n'a pas eu l'occasion, ouais, c'est vrai. Mais on part à la Nicolière Réservoir et après il y a 2-3 petites bases autour de la Nicolière que je veux vous, vous faire découvrir. Enfin, qu'on va découvrir parce que moi aussi en même temps. Et let's go! Là! Alors, il faisait froid dehors, mais là, ça va. Et là, on est au chaud. Vu qu'il y a un gros appli dehors, nous pouvons nous confier en dents dans la voiture de Maniche qui est en eau à comparer à Stephen. C'est pas vrai, maman, j'ai été propre un peu pour une fois. Pourquoi tu peux dire toi là? Stephen, c'est qui? Qui y a d'autre qui est le teux là? Et je te jure que pas ta chinois. Avant, quand je voyais ça, ça m'intéressait pas du tout. C'est marie bon. Mais c'est ça, mais c'est super bon. Et c'est à l'âge adulte que j'ai découvert pâte à chinois. Aïe, merci. Marnie, je paie de nous. T'es chou. Comme si pour nous passer le message, genre, pas fait des autres. Oui. Merci. Na, t'es chou dans ce loto. Dave, ces ananas, bien doux. Joanana. Ensel restait de toute façon. Ah oui, on a pris 3, ouais. C'est un tout bidzé une paix maintenant. Et toujours, 3 affaires différentes. Ça n'est pas utile, là. 3 affaires différentes, mais... Il pleut plus. C'était top. Et attends, ma reine, mais là, ma reine, on sera bon. Top. Et te trouver, moi, des histoires, là, tu me fais inventer, non? Précitaire ici, Marie. Bon, donc nous arrêtons en écolière. Attends la plus passée. Attends la plus passée, Michi. Ouais, je vais attendre la plus passée. Et il y a un petit groupe Zenes. On va pas les filmer parce que nous les aide dans notre intimité. Un Zenes de 2, 4, 6, 8. 8 petits Zenes. Peut santé. Peut danser. Peut danser. On va l'appeler. En bas de pied. En bas de pied. L'eau, la Nicolière. Maman, bel programme. Et la bonne Marie Bon, ça te sauve dans le travail, justement, tu viens là, là avec tes potes. C'est Marie Bon. Marie Bon. Mettre l'idée du bon. Je vais donner l'idée du bon. Magnus. Non, on belle look là-bas, moi. Eh ben, la belle Marie tape, j'aime l'idée là-bas. L'ambiance. Et ouvert. Vite, comme ça, nous t'en étions vite, moi, là-bas, là. Yeah. On va pas entendre. Trop loin, trop loin, parce que tu entends dans le bruit de l'eau aussi. Regardez les deux extrêmes. Côté à droite. Ouais, allez, vas-y. Allez, à droite, vous avez toute la verdure possible. C'est magnifique. Waouh! Tu es ici. Bon, elle se fait brouillard. La montagne et l'eau, mais c'est marrant joli. Waouh! Regarde ça. C'est la première fois que je viens ici. Moi aussi. Étant adulte, c'est la première fois. Ou peut-être ça va changer entre temps, je ne sais pas, mais c'est super joli. Visiblement, il y a un homme qui en profite pour pêcher. Il y a un petit groupe là-bas, dans le gosse. Il fait quatre petits buzz. Et après, je pense qu'il y a un autre groupe qui nous laisse ce bancheur derrière. Est-ce qu'on a qui les a pour nous? Je ne pense pas. En plus, il y en a deux. Plus, il y a un petit poisson ici en bas. Ah ouais, c'est vrai. Donc, je ne sais même pas que les gens venaient pêcher ici. Moi non plus. On découvre en même temps. J'ai l'impression Marie Bizarre, mais j'ai l'impression de pas l'embourir. Ouais, ça bout là. Ce bout là.
Tu as besoin d'être en Norvège ou un truc comme ça avec le brouillard, les montagnes. Après, au fond, là-bas, on a une monstre pour sortir. Monstre de Loch Ness. Le monstre de Loch Ness. Tout dans Kongoma. Voilà. Mais hey, franchement, Kongoma, so far, ma very impressive, very impressive. Tu veux t'en l'ambiance? On va rouler sur t'en. Non, partons. Mais ça, c'est un groupe derrière nous là. Nous ne pas focus aux autres comme si les autres tranquilles, les autres amusés. Mais un petit groupe derrière nous peut mettre Marie l'ambiance. Et voilà. C'est tout petit les tours aujourd'hui. En tout cas, Kongoma, les Moyan, magnifique. 10 sur 10 pour moi, pour ma part, parce que je pas habitué à Vinla, je n'ai pas habitué à et j'ai été agréablement surprise pour tout manger, tout en bas de la visiter. Verdure. Extraordinaire. Vraiment, si vous avez l'occasion de venir à Kongoma, ben, allez-y, vous êtes sautés, des bicodes, à le promener à Pilan Maurice. C'est tout petit les tours aujourd'hui. Nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.